Pierre Désir, c'est représentant au tribunal des paix dans le conseil supérieur pouvoir judiciaire. Il a emporté l'élection CSPJ organisée à Yé Matia. Dossier salaire minimum, célébration journée mondiale famille, dans le temps de rencontre qui déroulé mardi 17 avril là, entre commission affaires sociales, Sénat, République, la ministre affaires sociales, là, travail Stéphanie Auguste, qui dégaine avec lui, directeur général, ministère, ou dirigeant avec plusieurs autres cadres. Artiste Jean Belloni Murat, tout le monde connaît son nom Bello, c'est nouveau ambassadeur Bonne Volonté, Rôle Vision International de l'équipe. Présentation ça, entrée dans le cadre de campagne assainissement Rôle Vision lancée depuis plusieurs années pour faire promotion règles hygiène dans le pays. Non pas sport, Coupe du Monde U17, la taille Médamio. Sélection U17 là a joué jeudi 19 avril 2018 là face à Porto Rico dans quatre participations ligne en dernière phase. Éliminatoire Coupe du Monde du petit passé 17 l'année qu'a fait dans le pays du Nicaragua. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le journal Mi-temps Jeunesse sur télévision nationale d'Haïti. Dans l'actualité, la commission affaires sociales de la République là, chita parlé mardi 17 avril là, avec ministre affaires sociales là, Stéphanie Auguste, accompagnée directeur général ministère Audi Rivo à plusieurs autres cadres. Dossier salaire minimum, journée mondiale la famille et puis fonctionnement ministère, t'es dans mi-temps discussion ça yo. Président commission affaires sociales là, sénateur Wanick Pierre, m'a des ministres là prend disposition dans cadre dossier salaire minimum ouvrier yo. Commission a recommandé dans occasion 15 mai cap marqué journée mondiale la famille pour ministère discuter sous question famille qui important en pile dans société a suivre yon extrait. On tire les ministère affaires sociales là c'est justement pour nous gagner une idée de comment ministère affaires sociales a marché, c'est-à-dire pour ministre santé bail ministre yon feuille de route. Nous te voulons connaître exactement comment ça y est, ça qu'a fait, ça qu'a pas fait en dans ministère là. L'autre bagage qui vient, c'est que nous connaissons 15 mai qui est venu là, c'est journée internationale de la famille. Nous te tiens à ce que nous te connaissons qui ça ministère là lui-même les gars dans agenda pour papa avec maman petite normalement qui est dans situation difficile. Et me penser zami la presse moi-même comme sénateur tout le monde et dans quelle situation et bien famille haïtienne dans lui-même lié aujourd'hui. Et je pense que l'autre bagage qui vient, c'est la question du salaire minimum. Non. Je pense que aujourd'hui, c'est 17 avril, excusez-moi. Et je crois normalement, c'est le moment pour que normalement nous chita avec le ministre pour nous connaître qui j'en ça exactement. Est-ce que le dialogue social là lui-même a commencé pour que ça qui a passé dans l'aéroport au Prince, ça qui a passé dans le parking de Caracol, pour le pas privé à Nessa. Et je crois que le ministre lui-même lui bail en pile information, gain en pile remarque, gain en pile recommandation nous-même nous fait et bien nous-même n'attend et ministre dans exécution et saldio parce que pratiquement nous-même surtout dans cadre ouvrier yo son rôle interface et commission lui-même lui censé jouer nous-même n'attend ministre yo gain ISHI pour capable écrire pour capable gagner rapport comment question inflation lui-même lié nous même n'attend ministre et que c'est ce si normalement eh bien après il fin gagner rapport ISHI pas gagner qui fait c'est ce l'a retourner et dans parlement encore pour que normalement nous connaît eh bien est-ce que a bien ajustement de salaire ou pas bon côté ouvrier. Bon côté PAL, le ministre Affaires sociales là, Stéphanie Auguste, exprimé satisfaction li pour rencontre ça, li di kapé de le fait travailler dans le ministère. Ministre l'en promet dans l'occasion journée mondiale famille, ministère a organisé plusieurs activités pour marquer journée ça, tant que conférence, débat, colloque, sensibiliser famille sur le lieu de jouer dans la société. Yon extrait dans le micro fait dans confident avec Moïse Wilbridge. C'est ça, yon li permet que bon côté panon ministère pour les pouvoirs exécutifs la permet nous mieux atterrir parce que législateur ali là pour ka veiller garder si la loi respectée et le nous retourner nous-mêmes dans faire rétrospection qui ça yo mandé pour nous porter beaucoup plus de clarification ça veut dire me penser dialogue ça jodi an li té profitable pour et honorable pour commission hein? Puis on te poser des questions pour te porter éclaircissement dans mesure que nous t'es capable et il permet nous tout nous-mêmes pour nous garder qui mieux nous ca faire qui plus effort que nous ca faire pour que ministère affaires sociales vraiment répondre à ça gain comme on dit exigence face à société pour nous ca
décider si a gagne augmentation de salaire ou pas, faut que nous gagne indice macroéconomique là. Parce que c'est selon effectivement la loi pour dire si indice là inflation li augmenté de 10% à plus, gagne en nécessité pour nous vraiment adapter la loi pour nous bail augmentation. Séance de travail ça tout est permet nous en tant que ministère affaires sociales pour nous porter et on dit les lumières porter projecteur sur nous parce que ça revenu nous de droit pour nous faire promotion de la famille et nous échanger idées avec commission hein, pour nous dire nous-mêmes nous voulons commencer activité au puis en avance que 15 mai nous ca faire des colloques nous ca faire conférence de presse et me penser que moi partager agenda avec commission particulièrement sénateur sénatrice qui remet idées. Jean t'a annoncé l'anti World Vision International AID présenté Jean Belloni Murat, tout le monde connaît sous nom Bello comme ambassadeur bonne volonté institution. Présentation ça entré dans cadre campagne assainissement World Vision lancé depuis plusieurs années pour faire promotion régigénio dans pays. Yon contrandi à Rachel Saint-Fort. Campagne assainissement ça responsable World Vision International yo a mené dans diverses régions dans pays a tant que plateau central la Gonave visé éliminer maladie choléra dans pays a et puis faciliter population gain accès à services de base yo tant que de l'eau assainissement dans quatre programmes ça nous visé toucher plus que 800 000 timon mais en termes clair nous touchons déjà plus que 271 000 timon à travers différentes activités que nous conduisons déjà et nous touchons à peu près 30 000 monde côté nous faciliter que yo gagne une infrastructure d'assainissement côté que yo ka fait besoin yo en façon pour renforcer accès à services de base en dans communauté côté nous yo. Mais nous même tout nous voulons un public qui est beaucoup plus large côté nous travailler non seulement avec les autorités locales, l'autre partenaire et l'autre membre pour nous continuer à faire sensibilisation hein, dans l'autre zone, dans l'autre communauté en dans le pays. Dans le cadre de la campagne, ça, pour mobiliser et puis sensibiliser la population sur le bon comportement qu'on doit gagner pour protéger la vie et la famille, responsable fait appel à Katis Bello comme ambassadeur bonne volonté institution pour aider dans le travail ça. Je me sens que utile parce que pas oublier que son réalité qui pas trop loin comme si m'dadou c'est dommage que campagne ça pour qu'on couvrir tout pays mais ou aller là quoi des bouquets ou rien de type rien de famille qui pas une latrine la caillou et c'est pas par quoi son bail que nous mêmes tout nous ignorer et c'est peut-être un bail que nous pas déjà réfléchi pour comment nous capable approcher bail ça et que World Vision venir avec opportunité à moi même moi profiter pour comme si m'était support pam la donne pour faire que bail ça arriver plus loin pour nous conscientiser le plus de monde. Nous devons engager pour question l'hygiène, faut que tout le monde mobilisé nous exposer nous en danger protéger centaines santé famille nous c'est parmi divers messages responsable World Vision International lui transmettre par population hein, à travers une vidéo artiste Bello fait pour sensibiliser population hein, sur règles hygiène dans cadre campagne assainissement. Merci Rachel ak Toussaint. Président Commission Justice et Sécurité Sénat, Jean-Renel Sénatus, exprimé satisfaction pour décision commissaire gouvernement Miragouane n'en prend pour mettre mandat d'amener Contantis Owens Jonathan Désir dit méchanceté. Sénateur Sénatus qui pas d'accord avec moun qui a critiqué dans quatre dossiers ça, fait qu'on ait faut gain exemple qui tracé dans pays a si nous voulons construire une vraie société. Suivons bout dans déclaration. Bon commissaire du gouvernement qui a gardé côté mon a violé la loi et qui a mis mandat derrière moun. Moi je voulais espérer que l'autre commissaire qui dans 17 autres juridictions yo y a prend note que commissaire Miragouane nan dit en dans l'école pas qu'à tout de maquerel. Quand dans l'école pas qu'à bail moi image ça que artiste yo doit vecteur d'éducation et de changement pour le peuple haïtien que au pas gain droit c'est mauvais mœurs mauvais pratiques que a bail. M'a dit bravo à commissaire gouvernement et m'a demandé tout l'autre commissaire pour suivre contre tout le monde quel que soit monde lié qu'il s'agisse de président de la République ou du simple citoyen qui a violé la loi c'est pour commissaire gouvernement yo gagner mettre pantalon dans taille pour poursuivre monde qui a violé la loi. Moi même moi commissaire moi était commissaire du gouvernement moi président commission justice là m'a bataille pour commissaire gouvernement yo gagner mandat.
pour leur mettre mandat d'amener des vagabonds, moun qui a fait des ordres dans la société, pour ne pas révoquer. Et moi, je travaille pas comme sénateur, c'est garder tout ce qui a fait qui mal dans la société, adresser les gens que je dois adresser pour faire appliquer la loi. M'a seulement dit bravo commissaire, continuez ainsi et que les 17 autres commissaires des juridictions de première instance du pays yo prennent note sur ça yo doit faire lorsque moun a fait des ordres en de pays. L'autre dossier dans le journal là, ministère affaires étrangères dans tête collée à l'organisation internationale francophonie OIF l'ouvri mardi 17 avril là yon atelier 3 jours avec représentants pays francophones dans Caraïbes là. Atelier ça fait comme préparatif avec 17e sommet OIF qui a déroulé en Arménie. Anne-Marguerite Auguste a dit non plus dans un reportage. Atelier ça, c'est pour permettre tout pays francophone présenter plan d'action pays qui prend en compte priorité gouvernement dans divers domaines. Et spécialiste programme dans la région, Didier Mouewa, fait qu'on est atelier 3 jours ça a permettre chaque pays de discuter sous priorité. Et puis aborder en même temps problème commun pays dans Caraïbes a fait face. Document qui pral élaborer pral faciliter OIF connaît plus bien comment il pral orienter action lio dans pays francophone qui dans Caraïbes là. Il va falloir écouter davantage les États pour une meilleure prise en compte des spécificités et des priorités de chaque zone géographique. Et la démarche de la francophonie pour les 4 prochaines années, c'est de se rapprocher davantage des populations et des territoires. C'est aussi de passer maintenant par une décentralisation plus accrue et une responsabilisation de nos unités hors siège. Ministre Affaires étrangères à Cultlan, Antonio Rodrigues, salue l'engagement OIF prend pour renforcer le travail pays francophone a fait pour tabler un lien plus serré dans le temps. Problème environnement, éducation, droit monde, c'est quelques points que gouvernement haïtien mettait en pile accent dans le cas d'intervention OIF a fait en Haïti. Un accent particulier sera mis par la délégation haïtienne sur l'accompagnement que la francophonie pourrait donner à la formation, à l'entrepreneuriat et au renforcement des institutions, des industries culturelles, à la création des centres de formation en jeunesse et sport, et au renforcement des programmes de formation, à la protection de l'environnement, à la lutte contre le changement climatique et les catastrophes naturelles, ainsi qu'à l'usage du français comme langue officielle et de travail de la CARICOM. Représentant OIF la rappelé thème yote célébré quinzaine francophonien qui c'est langue française très d'union non pour nager qui c'est une valeur pour renforcer lien coopération à collaboration pays francophonio. Ministre Affaires étrangères sous bon pali quoi espace francophonien permet de renforcer vivre ensemble avec solidarité dans mitan pays francophonio qui considéré comme une source pour la paix dans partage pays francophonio. Conseil supérieur pouvoir judiciaire organisé mardi 17 avril 2018 là élection représentant tribunal de paix dans CSPJ. Activité ça déroulée en présence président Cour cassation plusieurs juges et avocats qui sortis dans différentes juridictions dans pays là. C'est juge Nader Désir qui remporté élection yo face à magistrat Jean-Claude Vince de Rivière. Un reportage avec Falande Delphin. 137 juges votés et puis élu magistrat Nader Désir comme nouveau représentant tribunal de paix dans le Conseil supérieur pouvoir judiciaire. Élection ça qui déroulait en bas du même Conseil supérieur pouvoir judiciaire, observateurs et représentants différentes organisations droit monde étaient opposés. Représentant tribunal de paix Marigot, magistrat Nader Désir, représentant tribunal de paix en Savoie, magistrat Erazi Zahi, représentant tribunal de paix Léogane Louis Eno René, et représentant tribunal de paix Pétionville, magistrat Jean-Claude Vince de Rivière. Après magistrat Erazi Zahi et Louis Eno René fin désister, 163 juges de paix qui sortent dans 18 juridictions dans le pays a te participé dans l'élection, côté juge Nader Désir, remplacé Jean-Étienne Mercier, qui passait environ 6 années dans le poste ça. Les candidats au nombre de 2, vu que magistrat Enoroné Louis a désisté au profit de maître de magistrat Nader Désir et magistrat
Esaïe Eraz a décidé au profit de Jean Kivens des Rivières. Les candidats étant au nombre de 2 ont obtenu chacun le score suivant. 137 voix pour le magistrat Nader Désir de Marigot et 25 voix pour le magistrat Jean-Clivens des Rivières de Pétionville. Le magistrat Jean-Nader Désir est déclaré vainqueur. Juge titulaire tribunal de paix Marigot à Nader Désir, dans le discours dans ces circonstances-là, remercie collègue Lio pour votre confiance à Balia. Magistrat Nader Désir dit qu'il compte sur tout juge pour aider le travail, pour mettre la magistrature haïtienne dans un autre niveau. Nous avons en nous un profond respect pour la magistrature et l'individu quel qu'il soit. Nous respectons aussi le choix de chacun. Et c'est pour cela que nous voulons saluer l'ensemble de la magistrature, même si quelques-uns, nous le savons, ont un sentiment de défaite. Mes honorables concurrents, la magistrature a gagné. Nous respectons l'ensemble de nos engagements en faisant preuve de modestie, de tolérance et d'honnêteté à l'égard de chacun de vous. La magistrature doit s'inscrire dans cette droite ligne de conduite. Cour d'appel, tribunal de paix première instance et tribunal de paix ont un nouveau représentant dans le Conseil supérieur pouvoir judiciaire pour continuer le travail pour améliorer le système de justice là dans le pays. Ministre Défense Hervé Denis retourne dans le pays dans le week-end après participation dans la 13e conférence ministre Défense américain qui était déroulée dans le pays Mexique sorti 8 pour arriver 12 avril 2018. Développer un mécanisme de coopération dans le domaine recherche et sauvetage après catastrophe naturelle. Évolution Wolf Force Lamé dans le domaine défense et sécurité, c'est quelques points qui étaient discutés pendant 4 jours. C'était occasion tout pour le ministre Défense là rencontrer homologue dans Mexique, Zapata San Fuego, dans le cadre d'une séance de travail pour son protocole accord coopération militaire qui a bien poussé dans le jour qui a venu. Il y a un extrait dans le micro, Marie Dieudonne, Heurtelou. La conférence a été sur recherche et récupération, c'est-à-dire comment il y a pu rescaper les gens qui ont une catastrophe naturelle. Nous avons ouvert la cérémonie avec le commandant-chef et l'armée du Mexique. Donc, et puis ensuite, ça a été plus important, c'était rencontre ça, on a besoin de faire avec le ministre de la Défense mexicaine et M. Zapata San Fuego, qui est un général. Il n'y a pas le ministre, il y a le secrétaire de la défense. Mais c'est tout comme ministre. Et lui-même, nous avons une grosse séance de travail avec lui. Nous avons eu l'occasion pour nous au moins travailler pendant une heure et demie avec le ministre de la défense, là, entouré de chef d'état-major, de commandant-chef, là, ainsi que de chef d'état-major. Et nous parler de coopération que nous sommes capables de développer. Ça m'a dit de nous, et dans la recherche de coopération actuellement, nous travaillons en pile pour que nous capables de signer un protocole d'accord, une convention, un accord de coopération militaire, en génie militaire surtout. À titre peut-être comme ministre, nous avons une possibilité que nous capables de développer une très bonne coopération avec un pays, je pense qu'il fait un pile bel effort. Dans ce qui concerne l'armée au service du développement, une armée qui a aidé la population et une armée qui a une catastrophe pour être capable d'avancer. Plateforme haïtien plaidoyer pour développement alternatif dans tête collée avec mouvement paysan national mettez en bout avec des journées forum yotap organisé sous validation cahier national revendication paysan. Organisateur activité ça expliqué y a bien pour mettre sous pied un comité suivi pour adresser bon côté autorité l'état yo ensemble problème secteur paysan a fait face un reportage avec Saint-Croix Paki. Possibilité pour population qui vivent dans le milieu rural bénéficier de différents services de base, mais une politique l'État haïtien doit prendre pour renforcer le secteur agricole et puis pencher sur la dégradation de l'environnement. C'est ensemble thème qui était discuté dans la 4e journée forum sous validation cahier national revendication paysan. Organisateur activité ça, annoncé formation et un comité suivi pour présenter ensemble problème secteur paysan fait face bon côté l'État haïtien. C'est là qu'on va mettre un comité national de suivi
y a un ensemble de travail qui va être fait dans la région, yo, à partir des sections communales, communes ou département, yo, mettez des structures là, et puis chercher des moyens, parce que nous avons compté sur propre force, nous, pendant nous allons chercher des lotes, et organisations, institutions, qui ont même idéologie politique avec nous, pour nous construire des outils économiques pour nous avancer. Chaque organisation qui gagne une grosse dimension dans le pays, qui fait partie de l'organisation paysanne, te montre engagement devant tout le public là, comment vous même pouvez porter cahier revendication paysanne. Ensuite, nous avons commencé avec le travail de groupe, côté gagne 5 groupes de travail qui ont réfléchi sur. Puis c'est son synthèse des trois cahiers régionaux. Il a regardé est-ce que tout ça qui était dit dans le cahier régional est inscrit dans le cahier national qui a validé. Gardez sens tout ça qui dit pour est-ce qu'il n'y a pas de flou. Et maintenant, nous arrivons à présenter le travail. Porte-parole mouvement paysan Papaïla, Chavan Jean-Baptiste, demande aux autorités concernées de permettre aux paysans de joindre assistance technique, bénéficier de crédit, route agricole et irrigation. Pas gagner assistance technique, paysan yo pas gagner aucun banque crédit pour ba yo crédit agricole. Yo dire pour paysan travail gon problème de l'eau, son véritable problème, problème environnement côté que terre yo fin dégradé, la valas pote yo aller dans la mer. Donc chaque jour production agricole la baissé. Paysan a parti qui était en dehors vient gonfler la ville. Paysan a parti qui était en dehors aller Saint-Domingue et je dis à un pile monde qui allait Chili. En pile là c'est paysan parce que yo tombé dans désespoir. Donc c'est un arithmétique problème. Mais nous pensons que cahier ça et bien nous pral potel et nous pensons yon a gros problème et que nous souhaitons que l'État penche sous lit. Et nous dit l'État, tout secteur dans l'État, eh bien pour nous pencher sur le problème environnement paysan. Forum validation, cahier national revendication, yo, plateforme haïtienne plaidoyer pour développement alternatif organisé pendant 2 jours, entrée dans 4 célébrations, journée internationale lutte paysan, yo, journée mardi 17 avril. Là. Merci Paki ak Toussaint. Décanat faculté médecine et pharmacie inauguré yon salle sport avec un système évacuation de l'eau dans local faculté a mardi 17 avril 2018 là. Activité ça rentré dans cadre réaménagement bâtiment ak bien-être étudiant yo. Daline Dorival dans un reportage. Cérémonie sa fête en présence divers étudiants faculté a, professeurs, doyens et plusieurs membres représentant Club Lyon International. Salle sport ça, équipé de plusieurs matériels neufs d'après doyen faculté médecine là, docteur Jean-Claude Cadet. Pas que jeunesse sans sport, étudiants mérité rester en bonne santé et puis jam pendant y a étudier pour ne citer parole doyen yan. Nous font caille sportif là parce que pas que jeunesse sans sport. Donc quoi là soit ouais là ce sont des appareils de sport bon côté m'la gen président étudiant yo donc nous pral organiser pour que sport son réalité dans faculté de médecine. Lyon Club International c'est un donateur principal yo qui permet travail et aménagement ça yo réaliser dans local faculté ya. D'après président Lyon Club en Haïti ya Eliasen Williams, projet ça coûté environ $2,000 américains. Ce campus ça nous visite, nous visiter là, nous c'est un bel campus. Et mais les bon bel campus c'est parce que c'est Lyon yo, Lyon d'Haïti nous contribuer, nous te voulons élaborer faire un bel bagaille, nous faire jardin, nous aménager de l'eau parce que le problème de l'eau nous connaît sont pas difficile parce que sous fond caille ou par évacuation de l'eau caille la bin l'aide, il pas représenter rien. Donc c'est ça Lyon yo fait, nous fait assainissement de l'eau, nous fait jardin yo, nous font monument de l'eau. Modelé Dave Bastien, qui est président étudiant, faculté médecine, exprime contentement pour le travail qui fait en dans le local. Là. Promet, il prend le travail pour protéger l'espace. Là. Dans nos étudiants, yo, nous ne pouvons pas suspendre manifester contentement. Nous. Et déjà, nous remercions les partenaires de Lyons Club. Nous remercions également Dr. Kade, de la faculté à qui ba nous ça. Désormais, nous avons une salle pour nous, côté nous avons joué, nous avons gagné, et pendant que nous avons étudié, nous avons fait un casse bête. Faculté de médecine et pharmacie, c'est une entité dans l'université l'État. Tremblement de terre, 12 janvier 2010, là, t'es complètement détruit. Moment arrivé pour nous observer un coup de pause dans le journal là. Pas déplacé, nous avons tout de suite après.
Dans l'actualité internationale, la directeur CIA, Mike Pompeo, fait une visite en secret dans le pays Corée du Nord pendant le week-end Pâques-là. Une visite secret Washington Post révélée qui était faite dans le cadre de préparation rencontre président américain Donald Trump avec Tokai coréen Lee Kim Jong-un. Suivez un reportage. Après série révélation Washington Post, Donald Trump confirmé mercredi 18 avril 2018 là, actuel directeur CIA Mike Pompeo a rencontré dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Objectif réunion ça qui déroulait en secret, c'est pour préparer prochain sommet entre président américain et dirigeant nord-coréen. Président Donald Trump rappelait dénucléarisation péninsule coréen était dans centre discussion. Entre-temps, deux Coréens a préparé un éventuel traité de paix parce que dans l'année 1953, la guerre entre deux Coréens était finie avec un simple accord. Ça qui fait techniquement, il y a toujours un conflit. Toujours dans le pays l'autre bord de l'eau, Barbara Bush, ancien madame président George Bush, rend dernier souffle mardi 18 avril 2018 là, à 92 l'année. Barbara Bush, c'est madame ancien président États-Unis et puis maman George Walker Bush qui était ancien président pays Sato. Nous invitons à suivre un autre reportage. Barbara Bush était faite dans l'année 1925 dans un bidonville dans New York. Barbara était vine première dame dans l'année 1989. Dans l'année 2001, premier petit garçon là, George Walker Bush, était président pays États-Unis tout. Côté était une femme qui était rise dans pays États-Unis. Barbara Bush mourit à l'âge 92 ans, mardi 18 avril là. Côté la prêté une figure qui était plus respectée dans parti politique pays États-Unis. Dans l'actualité sportive, la Coupe du Monde U17, la Kaye Medamio, sélection U17, la a joué jeudi 19 avril 2018, la face à Porto Rico, dans le cadre de participation dans la dernière phase éliminatoire Coupe du Monde, Pipiti passé 17 l'année, cap fait dans le pays Nicaragua. Et puis à l'étranger, basketball NBA, Boston Celtic remporté deuxième match là face à Milwaukee. Et puis New Orleans bat l'autre fois Portland. Nous invitons à suivre. Sélection féminine football, moins passé 17 ans, pour aller jouer dernière phase Coupe du Monde catégorie l'âge ça, sorti 19 pour arriver 29 avril 2018 là dans le pays Nicaragua. Sélection nationale Porto Rico Nicaragua a joué premier match li, jeudi 19 avril là contre Porto Rico à 7h30 dans soir. Jeune Grenadier yo a toqué konyo avec Nicaragua pour deuxième contre yo samedi 21 avril cap venir là à 10h dans soir. Coéquipier Coventina yo a rencontré Mexique pour troisième match yo lundi 23 avril cap venir là à 7h30 dans soir. Équipe qui déjà qualifié au C zone Afrique, Afrique du Sud, Cameroun, Ghana, zone Asie, Japon, Corée du Nord, Corée du Sud, zone Am Sud, Brésil, Colombie, Uruguay. Nouvelle-Zélande qualifiée pour zone Océanie. Dernière phase éliminatoire Coupe du Monde pour zone Europe là, a fait en Lituanie, sorti 9 pour arriver 21 mai cap venir là. Après sélection U20 bon côté Medamio, fin qualifié pour une phase finale Coupe du Monde, Haïti capable de prendre une deuxième équipe qui qualifiée pour une phase finale Coupe du Monde. Mais les joueurs en détail, gardienne Madelina Fleurio, Naomi Amboise, défenseur OC Nancy Lindor, Tabitha Joseph, Whitney Mathurin, Esterikov Joseph, Bregensi Adrien, Shilov Joseph. Milieu de terrain aussi, Angeline Gustave, Elisabeth Breville, Daniel Etienne, Rachel Karimus, Melchi Daël Dumoné, Bettina Petitfrère, Dionika Jean-Baptiste. Attaquant aussi, Manjean, Vladine Mervilus, Abaina Lui, Fléro Dina Supri, Milan Pierre-Jérôme. Dans staff technique, nous jouons, Wilner Etienne, Fior Dachal, Gérald Jean-Louis et Sébastien Gouya Lopez. N'a pas rappelé, avant sélection, tu prends direction Nicaragua pour participer à la dernière phase éliminatoire Coupe du Monde. Sila. John Grenadier a fait une semaine aux États-Unis pour te finir préparer la compétition. L'autre information, tournoi Challenge Union Caribbean Football, là, côté Haïti, a poursuivi le groupe CIA, qui était prévu pour le faire à 4 équipes, a fait désormais avec des équipes qui sont Haïti et la Vierge américaine. Raison, République dominicaine et Martinique boudé compétition. Haïti a joué deux matchs avec la Vierge américaine dans place tournoi CIA. Journée mercredi 18 avril 2018, là, à 6e en souhait, dans le stade le 14 et vendredi 20 avril, Cap Vini là. Protéger Stéphane Defoyo a pas affronté encore une Vierge américaine toujours dans le stade de 14. Mais liste joueurs en détail. Gardien Johnny Gabriel, Naftaline Clermeus, défenseur OC, Sauveline Beaubrun, Jennifer Limage, Emeline Charles, Naftali Lorté, Rosiane Jean, Johan Laporte, Kena Lui. Milieu de terrain OC, Fizlin Michel, Magdala Masséan,
Isnada Lebrun, Melissa Dacius, Nedine Milien, Shelly Jeudi, Attaquant Yossé, Batcheba Lui, Roselyne Eloassin, Neloud Nicolas, Naomi Ferron, Wilnet Mimeus. Nadia Désir se représentait en tribunal de paix dans le Conseil supérieur pouvoir judiciaire. Il a remporté l'élection CSPJ organisée à Yé Madia. Dossier salaire minimum, célébration journée mondiale famille, t'es dans le temps une rencontre qui déroulait mardi 17 avril là, entre commission affaires sociales, Sénat, République là, ministre affaires sociales là, travail Stéphanie Auguste, qui t'es gagné avec lui, directeur général, ministère, Rudy et Ivo, avec plusieurs autres cadres. Artiste Jean Belloni Murat, tout le monde connaît ce nom Bello, c'est nouveau ambassadeur Bonne Volonté, World Vision International EIV. Présentation ça, entré dans le cadre de campagne assainissement World Vision lancée depuis plusieurs années pour faire promotion règles hygiène dans le pays. Dans page sport, Coupe du Monde U17, la caille mesdames, sélection U17 là, a joué jeudi 19 avril 2018 là, face à Porto Rico dans 4 participations li dans la dernière phase, éliminatoire Coupe du Monde Pipiti, passé 17 l'année qu'a fait dans le pays Nicaragua. Voilà, amis téléspectateurs, c'est la journal La Boute pour jeudi. Hein? Merci pour fidélité ou attention. Restez branchés pour suivre cette programmation. Hein? Bon après-midi, tout le monde.